Bonjour, voici comment réaliser un chutney d'oignon qui accompagnera à merveille vos foie gras, mais aussi vos terrines, vos gibiers et vos volailles froides. Pour commencer, il vous faut 2 gros oignons, 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique, et pour finir, 1 pincée de cannelle. Je commence par éplucher mes oignons. Puis, je vais les émincer. Donc, pour cela, je le coupe en deux. Et dans le sens de la longueur, je coupe 2 fines lamelles, comme ceci. En fait, plus c'est fin et plus votre chutney va vite cuire. Donc, l'idéal, c'est vraiment comme ceci. Dans une casserole, je commence par mettre 1 cuillère à soupe de miel et 1 cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Je chauffe le tout à feu doux et j'y incorpore les oignons émincés. Je mélange à l'aide d'une cuillère en bois. Et à présent, je laisse mijoter pendant 20 minutes en remuant de temps en temps. Au bout de 20 minutes de cuisson, mes oignons ont absorbé tout le vinaigre balsamique et le miel. Il ne me reste plus qu'à ajouter une petite pointe de cannelle en poudre. Je mélange et je peux stopper la cuisson. Mon chutney d'oignon est terminé. Je réserve le tout dans un petit ramequin au réfrigérateur pendant minimum 2 heures avant de le déguster. Et une fois que votre chutney d'oignon a bien refroidi, il n'y a plus qu'à le servir dans des jolis petits ramequins. Vous pouvez également le conserver pendant 2 à 3 semaines au réfrigérateur dans des petits pots de type confiture ou moutarde que je referme. Et voilà, j'espère que ma recette du chutney vous a plu. En tout cas, je vous la recommande fortement car c'est un délice.